Bienvenue dans Campus, notre magazine des sports universitaires. Ce mois-ci, gros plan sur les championnats du monde universitaire de cross-country disputés en Ouganda. Dans la deuxième partie de notre émission, nous suivrons les préparatifs de la ville coréenne de Gwangju qui accueillera en 2015 les Universiades d'été et où vient de se tenir le forum de la FISU. Enfin, nous rencontrerons le premier gymnaste coréen qui soit devenu champion olympique, Hak Seong-yong. Et pour commencer donc, direction l'Afrique où s'est tenu en mars dernier le premier championnat du monde universitaire de la saison. Et c'était une première pour l'Ouganda qui organisait les championnats du monde de cross-country, discipline qui débute traditionnellement la campagne des championnats du monde de la FISU. L'épreuve s'est déroulée dans la ville d'Entebbe, l'occasion pour la Fédération internationale d'évaluer la cote du sport universitaire en Ouganda, l'occasion aussi de tester les aptitudes du pays à organiser un tel événement. Car l'université est là-bas l'un des seuls moyens d'accéder au sport, elle est à l'origine de son développement. It's a good example to show how university sports is taken. C'est un bon exemple pour montrer que le sport universitaire est pris très au sérieux en Ouganda. Pour notre information, sachez que le sport universitaire là-bas, ici, contribue énormément au développement du sport dans le pays. Si vous regardez ce qui se passe en Ouganda en ce moment, la plupart des structures sportives comme les fédérations cherchent à impliquer les étudiants universitaires qui sont très actifs quand ils font des études de management du sport. In sports management, which means ça signifie en fait que les universités accumulent de l'expérience. La plupart de nos équipes nationales sont composées d'étudiants universitaires. Un certain nombre de nos universités évoluent dans des ligues nationales. Donc le sport universitaire occupe vraiment une place de premier plan dans le pays. Les universités apportent donc leur expertise, mais aussi leurs ressources humaines dans l'organisation de ces événements. Et c'est un bon test pour tout le continent. Pour nous, la Fédération africaine du sport universitaire, c'est une grande satisfaction qu'un de nos membres, un de nos pays, puisse accueillir une compétition d'un tel niveau. D'avoir à Entebbe, en Ouganda, des étudiants universitaires du monde entier, en provenance en fait de 5 continents, nous pensons qu'en termes de facteurs de croissance du sport universitaire sur notre continent, c'est quelque chose qui fera date. Mais on est encore plus content d'entendre nos athlètes dire « Ok, bienvenue à tous, mais nous allons vous montrer ce qu'on sait faire, pas seulement en termes d'organisation, mais aussi de performance. » Car ces championnats du monde représentent la seule opportunité de faire découvrir le sport universitaire ougandais au reste du monde. Cette épreuve met l'Ouganda sur la carte. Elle met aussi en valeur les étudiants dans le pays. Vous savez, dans la plupart des cas comme ça, où différentes universités viennent du monde entier, ils choisissent les meilleurs. Donc ça donne même l'opportunité à des étudiants ou des Ougandais qui étudient ailleurs d'être informés des possibilités. Ça réunit des gens du monde entier et ça favorise l'amitié. Et ici, tous partagent la même philosophie, amitié et découverte. Des athlètes étrangers échangent leur expérience, l'occasion pour certains d'appréhender les secrets des grandes nations de la course à pied. Kenya, Éthiopie et en trois l'Ouganda, c'est les trois pays phares du demi-fond depuis 30-40 ans. Quoi. Pour moi, c'est une super expérience de voir comment ces gens-là ils évoluent, leur demander comment ils s'entraînent, nombre de fois, ce qu'ils font, même sur la course. Vraiment, ça, c'est important. Quoi. C'est les meilleurs du monde. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important d'aller chez eux, s'entraîner, voir comment ils s'entraînent. Parce qu'ils ont forcément quelque chose qu'on n'a pas chez nous s'ils sont les meilleurs du monde. 18 pays participent à ces championnats du monde, dont 8 nations africaines, un record. Au total, ce sont 75 universités qui sont représentées à Entebbe. On a rencontré beaucoup d'obstacles et il faut de la force, de la puissance et savoir quoi faire au moment où on rencontre ces obstacles. Et c'est le samedi 22 mars que s'est déroulée l'épreuve masculine 10,5 km de cross-country. 60 athlètes sont au départ, tous à la conquête du titre en individuel et par équipe.
Et ce sont les coureurs africains qui sont évidemment les grands favoris. Au départ, au début de la journée, je pensais qu'il serait une menace pour moi. Vous savez, avant de participer à une course, vous pensez parfois, c'est un blanc, je suis un noir, ce genre de choses. On ne se sent pas très à l'aise et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me battre? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, vous avez ce genre de pensée, vous voyez. Vous n'arrêtez pas de vous dire, peut-être que celui-là est meilleur que moi. Mais finalement, ça n'était pas le cas. L'Ougandais, en effet, a pris la tête dès le départ et a encore accéléré. La différence s'est faite au 8e kilomètre. Je me suis détaché, j'ai accéléré et j'ai laissé le Kenyan derrière moi. Ça a été le tournant de ma course. En un temps exceptionnel de 31 minutes et 6 secondes, l'Ougandais Joshua Cheptegei remporte donc cette course devant deux Kenyans, mais le Kenyan s'impose par équipe devant l'Ouganda. Derrière, la course continue et tous les athlètes ont besoin de beaucoup de courage pour la finir. La course en elle-même, c'était la plus dure de ma vie, je pense. Après 2 km, j'ai commencé à avoir mal au ventre et c'est jamais passé en fait. Mais je suis pas venu ici pour abandonner, donc j'ai fini comme j'ai pu et voilà, je suis quand même content parce que l'ambiance était vraiment top. Et le constat est le même pour tout le monde, une course très difficile. Je suis pas bien. Le cross-country est une discipline difficile, d'autant qu'ici les conditions climatiques sont éprouvantes et qu'on ne connaît pas forcément le niveau des autres athlètes engagés. On ne connaissait pas les autres filles engagées, on ne savait donc pas à quoi s'attendre, alors on est venu, on a juste cherché à courir le plus vite possible. On n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait cette compétition, mais voilà, je savais qu'on était engagé dans une belle course. Car chez les femmes aussi, l'Afrique domine la discipline et parmi les 42 partantes, les athlètes africaines semblent beaucoup plus à l'aise avec la chaleur et l'humidité inhabituelles pour les autres jeunes femmes. Juste en prenant mon rythme, je me suis tout de suite retrouvée dans les 3-4 premières. Donc j'ai fait le premier tour à cette position. Après, les Africaines sont passées devant. Donc je fais les 2 tours d'après vers la 8e place. Et le dernier tour était très 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 dur avec la chaleur. Je commençais un peu à avoir flou. Et comme pour les messieurs à l'arrivée, quelle que soit l'origine des concurrentes, l'épuisement est le même pour toutes. Ça montre qu'au final, tout athlète est... Et pareil quoi, donc on se bat à armes égales quoi. Et non, c'est énorme de partager ça avec des filles du monde entier. La tenue de ces championnats du monde à NTP a aussi confirmé la montée en puissance de l'Ouganda à l'échelle mondiale, car bien que souvent placés, ces athlètes ne gagnaient que rarement des courses internationales. Or, ces 19e championnats du monde de cross-country ont révélé la suprématie du pays sur le cross universitaire et chez les filles notamment. C'est une surprise pour mon pays cette année parce que je suis la première gagnante du médaille d'or en 2014, Winnie Nanyando, qui s'est imposée dans des conditions difficiles. Il faisait très chaud là-bas, c'est sûr. C'est définitivement à l'opposé du Canada. Nous, on a peut-être moins 20 degrés parfois et ici, il faisait beaucoup, beaucoup plus chaud. Mais c'est une grande compétition et ça a été une super course. Au final, la tenue de ces championnats du monde reste un succès, les athlètes sont ravis et le pays a confirmé à travers son organisation qu'il était capable d'accueillir d'autres événements de grande envergure. Ces mondiaux ont souligné le rôle essentiel que jouent les universités dans le développement du sport. Aujourd'hui, en tant que FISU et FASU, notre motif d'enthousiasme, c'est le nombre de jeunes qui étaient là aujourd'hui. Parce que ces gamins vont repartir en sachant que dans leur propre pays, ils peuvent rivaliser avec les meilleurs du monde. Et pour ça, il faut qu'ils soient à l'université. Donc notre état d'esprit, c'est de dire qu'on veut progresser pour promouvoir l'excellence dans l'éducation et le sport. La FASU et la FISU sont concernées parce que ces jeunes savent qu'ils ne participeront jamais à cette course s'ils ne vont pas à l'université. Et aller à l'université signifie qu'on promeut l'éducation et un style de vie sain qui passe par la pratique du sport. On leur permet aussi d'être des citoyens du monde. Un atout donc pour la jeunesse et c'est surtout tout un continent qui pourrait bénéficier de cette expérience à travers ces universités. Dans la deuxième partie de Campus, nous suivrons les préparatifs des universiades d'été 2015 dans la ville coréenne de Gwangju où se tenait récemment le forum de la FISU.
dans Campus avec maintenant un coup de projecteur sur la ville de Gwangju, située au sud-est de la Corée, dans la province de Jeolla. La ville se trouve à 270 km de Séoul et c'est ici que se tiendront les 28e Universiades d'été. La 6e ville de Corée du Sud a une longue tradition universitaire et elle se prépare à accueillir les jeunes du monde entier à travers un concept assez spécial. Gwangju 2015 prépare les Universiades EPIC, E-P-I-C, écologique, pacifique, high-tech et culturel. Les universiades de Gwangju laisseront un héritage en harmonisant le sport avec l'écologie, la paix, la technologie et la culture. L'organisation de Gwangju 2015 sera surtout basée sur l'écologie et le renouvellement durable puisque 95% des sites sont déjà existants. Ils ne seront rénovés seulement pour la plupart, et seules 3 infrastructures sur un total de 68 seront entièrement construites, le centre aquatique, le complexe multisport et le site de tir à l'arc. Dans tous les principaux comités d'organisation, le problème principal, c'est la construction. Quand il y a plus de 60 sites, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail, pas seulement pour les nouveaux, mais aussi pour les sites existants. Of course, there is a lot of refurbishment and reconstruction, and it takes time. Ça représente beaucoup de rénovation et ça prend du temps, du temps et de l'énergie. C'est évidemment le point essentiel, bien suivre la rénovation et la construction des nouveaux sites. Gwangju a déjà accueilli un grand événement, c'était en 2012, la Coupe du Monde de foot de la FIFA, et c'est dans ce stade, au Gwangju FC Stadium, que se tiendront la cérémonie d'ouverture, les épreuves d'athlétisme et le tournoi de foot en 2015. La Corée du Sud n'est d'ailleurs pas novice en termes d'organisation de grands événements sportifs, puisque le pays a également organisé les universiades d'hiver en 1997, les universiades d'été en 2003. Cette année, les Coréens recevront aussi les Jeux d'Asie, et l'an prochain, outre les universiades, il y aura aussi les Jeux militaires. Je crois qu'après les Jeux d'Incheon qui se tiennent cette année en Corée, les Jeux asiatiques apporteront également un supplément d'expérience aux Coréens. Et en 2015, il ne fait aucun doute qu'on assistera à une grande édition des universiades d'été. Et ces universiades se tiendront du 3 au 14 juillet 2015. 20 000 participants de 170 pays sont attendus. La ville de Gwangju a accueilli le 12e forum de la FISU. C'est une plateforme de réseautage pour que des compétences techniques, sociales et culturelles puissent être échangées entre des jeunes leaders qui veulent devenir plus engagés dans la FISU et des communautés sportives. Ce forum est un moyen de mettre à disposition des étudiants tous les outils qui leur sont utiles dans leur formation. C'est un soutien technologique, mais on n'écarte pas non plus l'aspect culturel. Le but, c'est de pouvoir échanger les idées, de se motiver les uns les autres, jeunes et plus âgés, en s'entraide. Et on est là pour former des leaders, et ça les encouragera à se révéler, à faire grandir l'institution de la FISU. Mais comment des athlètes étudiants peuvent être plus motivés pour s'engager davantage dans la famille de la FISU? La FISU essaie de fournir aux athlètes étudiants les bons outils pour mieux comprendre le mouvement sportif international universitaire et pour être mieux connectés entre eux, d'une fédération à l'autre, pour partager de meilleures pratiques. Plus de 250 participants provenant de 68 pays ont assisté à différents ateliers. Les étudiants se sont concentrés sur les challenges éthiques et éducatifs qu'ils rencontrent dans le sport universitaire. Et ils ont conclu que le sport universitaire ne devait pas seulement produire de meilleurs athlètes, mais aussi des gens meilleurs. Motiver et encourager les femmes à assumer leur rôle de leader était le thème d'un autre atelier. Gagner chaque jour ses qualités de leader, c'était un des messages du forum de la FISU à l'intention des jeunes dirigeants et spécialement des femmes. Le forum est l'occasion de démontrer ses compétences et son engagement. Bonjour, je m'appelle Natacha, je viens du Costa Rica, je suis membre de la commission des étudiants et aujourd'hui je vais participer à un atelier. Alors venez avec moi, je crois qu'on va s'amuser.
Les athlètes étudiants ont aussi eu l'occasion de réfléchir sur les relations entre le sport et les médias sociaux. La FISU entre dans le domaine des médias sociaux et elle les utilise pour promouvoir les organisations et ses activités. Le soutien et les suggestions des jeunes athlètes étudiants sont vitaux pour l'amélioration de la plateforme de médias sociaux de la FISU. Je pense que c'est vraiment important que la FISU soit plus présente sur ces médias sociaux, sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Comme ça, les gens se sentiront impliqués, ils auront la possibilité de poster leurs messages. C'est aussi un moyen de faire preuve de créativité et ça servira aux étudiants parce que la FISU, elle est quand même faite d'abord pour les étudiants. Il existe aujourd'hui de nouveaux moyens de communication, donc il faut s'adapter parce que si on ne le fait pas, on sera largué. Et on est une organisation jeune, donc il faut qu'on progresse avec ces nouvelles technologies, grandissons ensemble avec le monde entier et ne laissons personne sur le carreau. La FISU a créé un comité étudiant permanent en 2011. Ça permet à la FISU de sentir la part étudiante du mouvement, de suivre les tendances et d'apporter vraiment aux jeunes ce qu'ils veulent dans un monde qui change tellement vite. If you don't invest in your young people, you don't have a future. Si on ne parie pas sur la jeunesse, on n'a pas d'avenir. L'importance de la commission étudiante dans la famille de la FISU est évidente. Elle a permis qu'on se remette en question, qu'on prenne des décisions, qu'on ait de meilleures idées pour promouvoir la FISU, pour expliquer à quoi elle sert, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne, à nous ensuite de nous améliorer à chaque fois. La FISU connaît l'importance de la manière dont les membres du comité étudiant peuvent engranger de l'expérience. Il y a par exemple le projet, durant l'année à venir, de mettre en valeur l'engagement étudiant lors des prochaines universiades. La FISU m'aide à devenir celle que je veux être. J'apprends à devenir une leader. Comme ça, quand je vais rentrer dans mon pays, je pourrai faire de grandes choses. On pourra tous faire de grandes choses. Ça nous permet de comprendre qu'on n'a pas à rester là, à attendre que quelqu'un vienne nous aider. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Mais quel message la FISU veut-elle faire passer, surtout auprès des jeunes athlètes étudiants durant le forum ? Our organization is pour être très honnête, notre organisation est surtout axée sur les générations futures. Ce sont ces jeunes qui seront les leaders de demain. Donc notre rôle au sein de la FISU, c'est de les aider, de leur faire franchir des étapes, de sorte qu'ils pourront nous remplacer. Mais ils auront été informés, qualifiés, formés. Ils vont suivre nos pas, mais faire mieux que nous peut-être. Et je sais qu'ils y parviendront très vite. Le salon culturel du Forum, une autre plateforme pour les étudiants qui pourraient suggérer un message à la famille de la FISU. Organiser davantage d'événements de ce type et inclure plus d'étudiants participants en leur donnant plus d'espace dans ce genre d'événement. Le message que je souhaite faire passer à la FISU, c'est qu'à travers ce forum, ils ont vraiment fait un super travail et j'espère que ce sera encore mieux dans les années à venir, notamment qu'on puisse avoir plus de choix de sport à l'université. Ça serait vraiment bien. Développer ses propres compétences, s'impliquer dans le sport en tant que citoyen, utiliser le sport comme un outil d'éducation, grandir. La FISU va continuer à jouer son rôle lors du prochain forum en 2016. Tout le monde est prêt. Allez, restez avec nous. Dans la dernière partie, nous irons à la rencontre d'un gymnaste. Il est le premier Coréen à avoir remporté un titre olympique dans cette discipline. Puis nous verrons aussi ce qui est arrivé lors du dernier Spartakor en Turquie. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.
la dernière partie de Campus, nous sommes allés dans la banlieue de Séoul, au centre national d'entraînement, pour rencontrer le champion olympique de cheval d'arçon, Ak Seon-young. Aujourd'hui âgé de 21 ans, il est devenu à Londres le premier gymnaste coréen à remporter une médaille d'or en proposant un salto avant tendu avec triple. Il est le premier gymnaste au monde à avoir effectué cette figure qui porte désormais son nom. C'était le 6 août 2012 dans la North Greenwich Arena. Quand j'ai vu mon résultat, j'ai pensé que j'avais fait une bonne performance, mais je n'arrivais pas à réaliser. Puis je me demandais aussi si j'allais avoir la médaille d'or ou non. Vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique. Je progresse pas à pas et je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux. J'affronte la réalité dans ma vie. Je n'ai pas commencé la gymnastique comme quelqu'un qui veut obtenir une médaille d'or. Je n'aime pas me retrouver tout seul chez moi et je n'aime pas m'ennuyer dans la vie. C'est pour ça que j'ai commencé la gymnastique. Je m'amuse davantage quand j'acquiers des nouvelles compétences et mes parents étaient très heureux que j'ai obtenu une médaille. Ils m'ont aidé à faire de mon mieux jusqu'à présent. C'est ma motivation. Né à Gwangju, Ak Seon-young étudie à la prestigieuse université coréenne du sport de Séoul qui a façonné plusieurs champions olympiques. Ce passage par l'université a été une étape essentielle dans sa carrière. J'ai choisi l'université nationale du sport de Corée à Séoul parce que c'est un endroit où je peux m'entraîner facilement, où il y a beaucoup de bons professeurs. En plus, les professeurs dans le département du sport me connaissaient déjà en raison de mes résultats dans les catégories plus jeunes. Et puis mon premier entraîneur au lycée est aussi diplômé de ce département. La raison pour laquelle j'aime bien mon université, c'est qu'elle est très pratique pour des athlètes comme nous. Je peux suivre mes études et effectuer en même temps mes entraînements. Ak Seon-young est né en 92 dans un bidonville de Gwangju avant de s'installer à la campagne à Gocheng, à 100 km au nord de Gwangju en 2010. En dépit de son enfance difficile et de souvenirs marquants, il reste très attaché à sa ville et souhaite participer aux universiades de 2015. Gwangju, c'est ma ville natale, c'est là où je suis né, où j'ai grandi. Donc j'aimerais bien montrer mes compétences aux gens de là-bas. Regarder la gymnastique dans une compétition, ça n'a rien à voir avec la regarder à la télévision. Donc je veux participer aux universiades pour faire la démonstration de mes capacités et réaliser la meilleure performance. De nombreux champions de gymnastique, à l'instar de Yevgenia Kanaeva, double médaillée d'or à Pékin et Londres, ont pris part aux Universiades au cours de leur carrière sportive et parfois même après avoir été couronnés au niveau mondial. Et c'est souvent lors de leurs études à l'université qu'ils sont à leur plus haut niveau en termes de performance, comme Ak Seon-young. Les Universiades ont un âge limite 28 ans pour les athlètes étudiants. À mon avis, c'est un bon tremplin pour eux avant les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Les universiades permettent à de jeunes athlètes de montrer leur performance et leur niveau. Les meilleurs athlètes universitaires de chaque pays sont sélectionnés et ce sont souvent les meilleurs athlètes au monde. Les universiades de 2015 seraient non pas un tremplin mais une parfaite répétition pour Ak Seon-young avant les prochains Jeux au Brésil, d'autant qu'il n'aura que 23 ans. J'avais fixé mon prochain objectif dès la fin des Jeux olympiques de Londres. Je voudrais à nouveau obtenir la médaille d'or au Brésil, donc je vais continuer à m'entraîner pour préparer les Jeux olympiques de 2016. Si tout se passe bien, je suis sûr que je serai en bonne forme en 2015. Les universiades collent parfaitement avec mon programme, parce que je veux gagner les Jeux à Rio en 2016, donc ce sera une compétition parfaite. Et chez lui, en saut de cheval, Ak Seon-young sait bien qu'il y aura de grandes attentes le concernant, sans doute plus fortes encore. Et pour finir, nous partons à Antalya en Turquie. Antalya, son port, ses pêcheurs, c'est ici dans cette célèbre station balnéaire de la côte sud de la Turquie que s'est tenue la 12e convention annuelle Sportaccord. Sportaccord est une des plus grandes organisations de sport qui regroupe les grands décideurs du sport, associations ou fédérations comme la FISU. Sportaccord est très important pour la FISU. C'est l'occasion de rencontrer de nombreuses fédérations partenaires, de rencontrer de nombreuses villes et régions qui viennent à Sportaccord.
C'est non seulement l'occasion pour la FISU d'entretenir son réseau et de montrer au monde ce qu'elle sait faire, mais aussi de rencontrer et comprendre ce que font les autres fédérations, ce que recherchent les villes. Donc c'est très important pour nous d'entretenir nos relations et de suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du sport international. Chaque année, la Convention Sport Accord réunit plus de 100 fédérations internationales et organisations sportives. Le but est de mener des actions au niveau international pour développer le sport en impliquant les détenteurs de droits, les comités d'organisation, les VIN, mais aussi toutes les organisations qui développent le sport, tout comme les entreprises. Et la FISU a bien évidemment un rôle essentiel à jouer. La FISU, c'est une grande organisation en développant le sport au niveau universitaire et pas seulement. Et presque tous nos grands athlètes et tous les champions sont des étudiants. Et j'espère que par cette collaboration, on va élever le niveau d'éducation parce qu'ils ont besoin d'une éducation spéciale, en conditions spéciales pour pouvoir appuyer leur carrière sportive. Ainsi, concernant le judo, le président de Sport Accord a signé un nouvel accord avec la FISU afin d'intensifier les liens entre les deux fédérations. Il s'agit de donner aux athlètes tous les moyens pour leur permettre de poursuivre leurs études en parallèle. Cet axe commence d'ailleurs par se développer plus largement dans les autres fédérations, même les plus grandes comme le tennis. C'est la base. Une jeune personne ne devrait pas avoir la pression d'une seule activité, parce que si elle échoue, elle se retrouve sans rien. Par exemple, en tennis, qui est un sport individuel, on parle toujours de Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal. Mais derrière eux, il y a des milliers de gens qui ne sont pas capables, pour différentes raisons, d'atteindre leur niveau. Et ils doivent d'abord être des gens bien. Entre les contacts informels et les signatures d'accords, la FISU a rencontré de nombreuses fédérations internationales. Elle a pu aussi renforcer sa présence dans les grands événements ou d'intégrer de nouveaux sports au programme des Universiades. C'est ce que souhaitait notamment la Fédération internationale de badminton. Être un sport officiel constitue une forme de reconnaissance. Et je crois que le badminton fait partie de ces sports qui sont très liés à l'esprit universitaire. Alors comment ça peut se combiner pour nous? Bien, c'est très important parce qu'on a eu une démarche stratégique auprès des écoles, des études et des centres sportifs. Et on veut développer ça. Pour nous, c'est très important de faire partie des sports obligatoires. Depuis de nombreuses années, la FISU s'est montrée innovante. Elle propose régulièrement de nouveaux sports au programme des Universiades. Elle a d'ailleurs permis de développer certains sports, comme le foot américain par exemple. C'est très important parce qu'avec notre sport, nous avons besoin de nous développer internationalement. Nous devons passer à un stade où le football américain n'est plus seulement joué en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Donc pour nous, c'est un grand succès. Je suis très heureux d'avoir passé cet accord avec la FISU. Et c'est ainsi donc que sera organisé cette année le premier championnat du monde universitaire de football américain, en mai à Uppsala, en Suède. Star aujourd'hui, leader demain.